précédemment, Dungeon de Laser. Suite à la terrible révélation donnée par le gardien du temple de bronze, Haru, lui communément appelé Enjoy, s'est senti bouleversé mais s'est relevé face à la réalité et va devoir défier le monstre Dokusai, le dieu du soleil. Haru, bien déterminé à se venger de Dokusai, va devoir affronter le gardien du temple d'argent, la reine Valkyries, pour récupérer la clé d'argent qui ouvrira la porte de l'antre du dieu du soleil. Armé de ses flaming swords et accompagné de l'âme de Notch, Haru entama ses recherches sur plus de minerais de gravitite et de zanite, tout en s'occupant de sa maison et de son fidèle Mora. L'aventure ne fait que commencer! Hey, salut à tous, c'est Enjoy, on se retrouve aujourd'hui pour Enjoy the Laser épisode 13. Alors, aujourd'hui, on va pouvoir se retrouver pour plusieurs choses. Alors, comme vous avez pu le voir, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu Enjoy the Laser, mais c'est tout à fait normal, parce que il y a beaucoup de travail en fait en fond, donc je peux pas tout le temps travailler sur Enjoy the Laser, je dois travailler sur d'autres séries, comme vous pouvez le voir avec Mine of Emerald et les séries avec Sora et The Prime. Et elle doit travailler aussi au lycée, et ça c'est plus important. Donc aujourd'hui dans Enjoy the Laser, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère que la petite intro... Je vais baisser un petit peu le son, voilà, merci bien. Donc j'espère que la petite intro vous aura plu juste avant. En fait c'était voilà, un petit précédemment, une sorte de flashback en intro. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé ce genre d'intro, vous pouvez me le demander pour les faire sur quelques épisodes. Voilà, mais je les ferai pas sur tous. Je les mettrai sur quelques vidéos. Alors, on va y... Alors, je viens de voir que 3 œufs, donc on a 12 œufs de Moa. Donc voilà. Aussi, j'ai récupéré Super Brioche quelque part. J'ai trouvé des cadeaux et on m'a donné des Super Brioches. Ça, c'est cool. Alors, j'ai aussi créé un off, j'ai créé un antidote. Et j'ai créé, ou plutôt j'ai récupéré, ou le truc, je ne sais pas, ah bah il est dans ma main, une potion de poison. Donc ça servira pour rien, voilà, simplement. On va laisser un golden parachute. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va se préparer. Parce que oui, ça fait à peine un épisode qu'on a battu Pourquoi je montre le temple des Valkyries. On a battu le slider. Et je vais déjà me préparer pour la suite. Voilà, je suis un petit peu impatient. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai amélioré énormément la maison. Donc quelqu'un en message privé m'avait dit que la maison semblait très vide. Donc il n'y avait que cet endroit qui était utilisé et le reste ne servait à rien. Donc en off, comme vous avez pu le voir peut-être dans le petit flashback du précédemment, j'étais en train d'améliorer cette salle. Donc cette salle, je ne sais pas à quoi elle va servir, ça sera peut-être une salle, je sais pas, pour des choses, voilà. Donc voilà, ici ça sera la salle avec des outils. Donc ici ça sera la chambre plutôt, là c'est la salle des outils, là c'est la chambre. J'ai utilisé au lieu d'utiliser des portes normales, j'ai utilisé des nuages parce que comme ça, par exemple, on peut faire youpi, il va aller dans ma chambre. Voilà. Donc l'entrée de la mine est maintenant ici avec un petit couloir que j'aménagerai en off. Et donc ici ce sera la chambre avec des blocs en dessous pour illuminer le lit. Ici donc comment arriver à aller en haut vu que j'ai enlevé les escaliers. J'ai tout simplement mis un Blue Air Cloud qui permet de sauter ultra haut et qui me permettra plutôt d'aller... désolé, j'ai un petit peu la voix cassée aujourd'hui. C'est des problèmes qui arrivent. On a tout le temps pas la voix super sereine. Donc, qui nous permettra d'arriver à cet endroit-là en toute sécurité. Regarde ça, attention. Youpi! Voilà. Donc ici, à quoi cet endroit sert? C'est une sorte de tour de guet. Quand des zéphyrs sont trop en nombre, je les attaque. Oui, je suis bien normal, je me disais pourquoi il n'y a pas de zéphyrs. Quand des zéphyrs sont à proximité, on peut tout simplement les attaquer, les frapper avec l'âme de Notch à cet endroit là. Et pour redescendre, pour aller au portail, il nous suffit juste d'aller à cet endroit là. Donc voilà, donc c'est un petit peu tout ce que j'ai fait, mais c'est quand même assez... j'ai quand même passé une bonne heure dessus.
Donc aujourd'hui nous allons nous préparer pour le donjon. Alors il faut que je prenne plus de gravitite parce que on a 4 gravitites. On a notre clé pour le donjon de Dokusai. Pardon pour tout manitem, c'est juste pour devoir refaire les achievements. Donc aujourd'hui il nous faudra plus de gravitite. Et pour la gravitite il nous faut des pioches en zanite que j'ai là, mais par contre il est un petit peu cassé. Il va falloir qu'on en refasse. Hop. Donc comme vous pouvez le voir dans le dernier épisode on a récupéré beaucoup plus de zanite, 49 zanite. J'ai pu me faire un équipement complet. Sachant que voilà, j'ai réussi à faire ça. Donc on n'a pas vraiment l'équipement complet, il nous faudrait l'amulette, les anneaux et les gants. Donc on va se créer les gants. Hop. Voilà. Donc je ne crois pas qu'il y a d'effet spécial sur quand on a l'équipement complet en zanite. Attention, nous allons voir nos mains. Là. Tintintin. Voilà. Donc je ne crois pas qu'il y a d'équipement complet en zanite qui a de pouvoir spécial. On a 3 fils par contre. Est-ce que. Oui, le crafting guide est ici. Je voudrais vérifier comment faire une amulette pour renfermer des âmes. Monsieur, renferme des âmes, moi. Ah oui, d'accord, ouais, c'est beaucoup de string, beaucoup de ficelles. Et ça, c'est pas très cool. Quoi que j'en avais utilisé pour en faire une, mais ça avait pas vraiment marché. Donc, comme je vous l'ai dit, on va récupérer beaucoup plus de gravitite. On va essayer de récupérer un stuff entier, ce qui va être très dur. Alors, à l'entrée, comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu aménagé avec le gravier que j'avais récupéré dans les épisodes précédents. Je pars super vite en ce moment, c'est cool. Et j'ai aussi pris, comme par hasard, j'ai aussi pris tous les buissons de ça là, de blueberry. Simplement parce que je voulais faire une sorte de plantation à côté, mais j'ai complètement oublié de le faire en œuvre, donc je vais le faire avec vous. Tout simplement. Hop, hop. On va le faire. Cet endroit, non, cet endroit, on va le laisser un petit peu. On va le faire ici avec les. Avec la sorte de forêt. Alors, hop, hop, voilà. On va le faire ici. Hop. Hop, 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 hop. Et on va le mettre où le dernier. Là, voilà. Comme ça, ça va bien pousser. Donc, comment dire. Je vais pas dire la serre parce qu'on est quand même dans le paradis. Un paradis assez hostile. Comment je pourrais appeler ça. Une sorte de forêt. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que on peut monter directement par là quand on est dehors dans la maison pour éviter de passer par la tour de guet. Et hop, voilà. Donc allez, on cherche plus de gravitite. Bon, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? On a une épée, c'est l'essentiel. La pelle, la pioche. La zanite, on va éviter de la perdre. Une autre pioche. Une pioche en bois pour rien. Ça, les torches. Et le marteau de notch, au cas où s'il y a des zéphyrs, des méchants zéphyrs qui viennent nous péter la gueule, tout simplement. J'arrête pas de dire tout simplement en ce moment. C'est super chiant, en plus que j'ai la voix super, que j'ai la voix extrêmement cassée, et ça, c'est ultra chiant pour les vidéos. Mais j'ai quand même voulu le faire parce que je trouvais pas vraiment d'envie en ce moment, et là, tout de suite, l'envie m'a pris, et on va commencer la recherche de gravitite. Alors, je crois qu'en off, j'ai réussi à voir quelques gravitite vers cet endroit. Donc, regardez, là, il y a des blueberries, ça c'est cool. On va récupérer les. On va les prendre. Voilà. Ça va plus vite avec la pioche. Pardon. Merci. Hop. Et hop là. On a que 2 blueberries. Ça, c'est pas si cool, mais il y a des blueberries complètement buggées. Là, par contre, c'est ça le seul petit problème. Bah non, ils sont pas buggés en fait, ils sont juste. J'ai juste pas passé dessus. Ah, si, ils sont buggés. J'ai rien dit. Là-bas, il y a une île. Il y a une île assez sympa. Non, je ne veux pas. Je m'énerve. Ah, d'accord, bon, ils sont complètement buggés. On va y aller à cette île, juste pour voir qu'est-ce qu'il y a, s'il y a des choses intéressantes. Pas. Désolé. Faudrait que je bois un petit peu d'eau ces derniers. Ah, bah voilà, regardez. La gravité était juste ici. Donc on va aller la chercher. On aura dorénavant 6 gravitite. Ce qui ne nous fait pas encore de plastron, mais qui. Mais c'est un bon début. Désolé pour le petit bruit
téléphone. Alors, hop, là, avant que ce soit un animé, c'est aussi le mélange d'une série Minecraft et d'un animé. Voilà, voilà. Bonjour. Et hop là. C'est vrai, je l'avais oublié. Oh, mais attendez, mais il y en a plus. Plus, plus, plus. Alors, on va les faire monter. C'est bon. Voilà. Oh, mais attendez, mais il y en a énormément. Oh là là, mais attendez. La dernière fois, on était gâtés en zanine. Maintenant, on est gâtés en gravitite. On a réussi à avoir 5 gravitites. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. C'est très l'indulgence des... C'est très la création des... J'arrive plus à retrouver mes mots aujourd'hui, c'est assez bizarre. La création des escaliers. Alors, allons chercher là-bas. Là-bas, on est jamais encore allé. Donc c'est un endroit qu'il faudrait aller voir. Hop là. Oh mais ah non, aïe. Je me suis pris un bloc dans la face. Ça fait mal. Hop là. Cet endroit a l'air sympathique. On va éviter de tomber. Hop 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 hop. Évitons de tomber. Aha. Aha. Tiens, tiens, tiens. Hop là. Pardon. Alors, il est où? Ah non, attendez. J'avais oublié un truc. Non, 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 non. Surtout ne pas faire ce que j'allais faire. Parce que je vous rappelle que la gravitite est, comme son nom l'indique, sensible à la gravité. Donc si j'enlève ce bloc là, elle s'enfonce dans les airs. Bonjour les baleines. Hop là. Hop là. Ah, mais on est vraiment servi en gravitite aujourd'hui. Le jour où je veux prendre la gravitite, on est vraiment servi. On a dit. Oh putain, dit gravitite. Première fois que je vois ça. Dans toutes les... Hop, 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 hop. Non, je ne veux pas tomber, monsieur. Je suis insensible à la douleur. Non, je plaisante. Je suis très sensible. Ah non, je croyais que c'était un bloc de Moston. Où est-ce qu'on pourrait aller? Il y a... Je crois que ces îles sont un petit peu trop éloignées. Ça, c'est ce qui est dommage. Par contre, attendez. Hop là, hop là. Donc, alors là il y a les arbres à White Apple. On n'est pas encore en manque de White Apple. Donc, j'entends un zéphyr qui nous tire dessus, mais ah d'accord. Il y a... Voilà, je vais la voir. Donc, on va essayer d'aller vers là-bas. Comment y aller, je ne sais pas. Tout simplement parce que trop de ah bah non, attendez, on va utiliser les nuages, parce que les nuages ça va servir à quelque chose. À moins qu'on y aille, qu'on y soit directement, attendez. Ah bah oui, on y est directement. J'ai tellement de chance en ce moment. Alors, où est-ce qu'il pourrait y avoir de la gravitine, mes chers amis? C'est session ménage aujourd'hui. C'est session ménage avec de la belle musique en fond. N'oubliez pas que, si vous me le demandez, les musiques seront en téléchargement. Bonjour les moutons. Ah mais attendez, vous pourrez me servir à faire une cave les moutons. Va mourir. Non, non, reviens, reviens. Reviens. Ah. Mère. De laine. Toi, tu me donnes quoi? Toi. Bon. Je crois qu'il l'a voulu s'envoyer en l'air. Bravo. Alors toi. Le doré. Aïe. On a 3 laines. Ah, là-bas il y a de la zanite, donc c'est intéressant. Voilà, je ne voyais plus le chronomètre. N'oubliez pas que les épisodes font de 20 à 25. Mais oh, attendez! Je n'avais pas vu ça. Une zone de Noël. Avec la... C'est des nuages. Ah, c'est les nuages du zéphyr que j'ai tué. Une zone de Noël. Mais il est sans cadeau cette zone de Noël. Ah oui. Elle est sans cadeau. Et j'étais passé par là, je crois que c'était. Ah mais oui, c'est trop mignon. C'est trop mignon, rappelez-vous dans les... Oh, Soradouki, comment on se retrouve? Viens. Oui. Soranouki, le retour de Soranouki. Soranouki, le retour. Maintenant, Soranouki. Mon dieu, mais c'était... on était déjà passé par là. C'était la zone de Noël dans l'épisode 12. Regardez la table de craft. Je m'en rappelle maintenant.
Et là-bas, il y avait le donjon de notre ami le Slider, dont une statue est ici pour comment dire, pour soulever sa mort. Mais oh, mais Soranuki, bon. Oh putain, t'es sûr? Non! Ah! N'explosez pas Soranuki, enfoiré! Pauvre Soranuki. Mon dieu. Il a failli exploser, pardon. On va garder Soranuki pour la. Cette suite d'épisodes. Le temps de chercher. Mais attendez! Mais c'est le peuple des Soranuki, c'est pour ça! Oh bonjour, le peuple des Soranuki! Vous allez bien? Oui, vous allez bien. Des nuages. Alors cherchons. Bonjour. Oh là. Je me suis pris de plein fouet. Attention, Soranuki. Par l'âme de Notch. Bravo. Par l'âme de Notch. Yeah. Allez. Soranuki, viens par là. Je me file des autres effets. Ce que je voulais, moi, c'est l'autre là-bas. Donc, allons voir s'il y a quelques. Gravité là-bas, sachant que la gravité peut se trouver très très bas, comme elle peut se trouver assez surtout en fait au niveau en dessous des îles, donc c'est à cet endroit où on trouve le plus de gravité. Alors par là, peut-être par là, donc oh attendez, de la zanite qu'on n'avait pas récupéré, qui est assez dangereuse mais qu'on n'avait pas récupéré quand même. Attention, YOLO. Et hop. Et mince. Soranuki, non, tu es mort. Aïe. Non. Ah, on a attaqué. Ça aurait pas dû m'affaire. Mourez, bande de salopes. Par l'âme de Notch. Mais il y en a trop. Il y en a trop. Oui, il est tombé. Par contre, elle est pas tombée. Par l'âme de Notch. Oui, il faut que je me soigne de ce poison. Désolé pour la lueur verte, mais c'est ainsi. Ouh, on a réussi à ce qu'on a réussi à cette attaque. Par contre, là-bas, regarde. Ah, je n'ai pas pris de hache. Ça, c'est tristouné tout ça. Parce que j'aurais pu vous montrer comment j'avais réussi à récupérer l'ambre que j'avais dans les coffres. Ah mince, mais Soranuki, non, mais Soranuki, pourquoi es-tu mort maintenant? Pourquoi as-tu succombé à la crise cardiaque envers ces noix violets? Ah, Soranuki, tu es là, mon petit. Voilà. Peuple des Soranuki, je vous sens. En soit très reconnaissant. Donc si là on est en train de s'enfoncer, je vous rappelle dans la mine qu'on avait explorée dans l'épisode 12, donc on revient sur nos pas malgré nous, parce que je ne voulais pas retourner sur mes pas, mais ça tu m'as fait peur. Soranuki ne fait plus de frayeur comme ça. Alors attendez, on va chercher un petit peu plus de gravité, sachant qu'il est à 18 minutes, donc sûrement dans 10 minutes on va devoir s'arrêter, on va devoir se laisser ici pour cet épisode. Donc faut respecter quand même non, je crois que j'ai vu de la gravité là-bas, mais je ne crois pas en fait. Par contre, je crois que j'avais testé un moment. Soranuki, surtout ne meurs pas. Oui, j'ai réussi à le tuer. Soranuki, viens, on va récupérer notre moa. Vous pourrez lui donner un nom à ce fameux moa qui n'a pas encore de nom. Ce qui est bien triste pour un pauvre fabuleux petit moa. Faudrait lui donner un nom. Vous pourrez trouver un nom dans les commentaires de toute façon. Dites-lui un nom dans les commentaires et le prendrez celui qui est le mieux. Alors. Wow. Toi, non! Changer d'attaque, même si c'est exactement le même symbole, par la colère de Notch. Voilà, la colère de Notch. Oh bonjour, oh Soranuki qui va dans le plateau, c'est mignon.
Oh mon dieu, je l'avais même pas vu. Oh mon dieu. Par la colère de Notch. Voilà. Parce que... on a plus de... heureusement qu'on est ici parce que... on a malheureusement plus de... bouffe. Hop. Hop. Et hop. Oups. Hop. Voilà. Là en fait... on aurait pu s'installer ici avec Soranuki et notre Moa. Hop. Avec l'arbre de Noël et tout. Sachant que au moment où l'épisode sortira, on sera en décembre, donc joyeux Noël 25 jours en avance. Waouh, c'est beau, quand même beaucoup. Par contre, est-ce que si je tire... ok. Soranuki, tu as succombé à l'âme de Notch. Mais c'est pas possible. Aïe. Attendez, mais s'il me frappe encore, je ne pourrai plus retourner chez moi. C'est pas possible. Soranuki, j'ai besoin de ton aide pour retourner à la maison. Sachant que si le Moa succombe, on pourra refaire naître. Ah mince, attendez. Comment j'avais fait la dernière fois ? Voilà. Voilà, et comme ça, il. J'ai l'impression qu'il flotte un petit peu plus, regardez. Ah non. En fait, c'était juste une impression. Alors, je crois qu'on était passé de l'autre côté pour retourner à la maison, mais c'était pas sûr. Par contre, les zéphyrs. Non. Ah oui, on était passé par là. Attention. Oui. On a réussi. Donc c'est bon, on revient à notre terre d'origine. Pour terminer cet épisode qui sera riche en découverte de gravitite. Par contre, est-ce que c'est là? J'ai pas l'impression de reconnaître. Ah si, on voit le portail là. Passons. Alors, j'espère que Soranuki ne va pas faire le coup du disparaître. Parce que oui, Soranuki aime disparaître. Vous avez pu le voir dans les épisodes précédents. Un moment où j'ai voulu adopter un Soranuki. Mais il a complètement disparu de la surface du monde. Ce qui est un petit peu bizarre pour un Soranuki. On est retourné à la maison. Alors, hop. Hop là. Et voilà. Donc, aussi, je vais aussi vous parler de quelque chose. Donc, par rapport... pardon, petit Soranuki. Soranuki, arrête. Voilà. Tu n'as pas le droit de sortir. D'accord, petit Soranuki ? Reste ici et tout ira bien. Donc, par rapport à la série, par rapport à Enjoy the Laser, par rapport à l'apparition des épisodes, à partir de l'épisode 15 ou l'épisode 14, il y aura un épisode toutes les deux semaines. Ah, on va s'amuser un petit peu avec ça. Juste pour vous donner une crise d'épilepsie. Donc, il y aura un épisode toutes les deux semaines pour respecter un temps de montage et d'ordre de parution. Donc à partir de l'épisode 14 ou 15, une vidéo, un épisode toutes les deux semaines. Et je vais améliorer un petit peu l'entrée de la grotte en mettant quelques bois. Et on va pouvoir se laisser ici. Sachant que je vais pendant ce temps mettre la gravité dans les enchanteurs. Parce que si on la met pas dans les enchanteurs, elle est en or, minerie, je sais pas comment ça se dit, mais bon, c'est pas grave. Et quand vous la posez, elle s'envole, donc ça c'est pas cool. Donc faut l'enchanter, faut lui enlever son pouvoir de gravitation, plutôt faut renforcer son pouvoir de gravitation pour qu'elle ne s'envole plus et qu'elle s'utilise au moment opportun. Voilà, donc le temps, on va pouvoir améliorer un petit peu le chemin, le petit couloir assez sympathique vers le sous-sol qui sera peut-être une salle si on a des choses à mettre. Et puis voilà, donc le sous-sol qui soit soit une salle, soit tout simplement une petite mine personnelle. Hop, hop, hop. Hop. Ah mince, j'ai enlevé la torche, mais c'est pas grave. De toute façon, on va devoir les remettre un jour ou l'autre.
encore beaucoup de poids. Et 1, 2, 3. Bravo Enjoy, bravo Haru. Tu es très fort. Sur 40. Voilà. On va faire une petite transition. Par contre, ça va être possible. Ça va pas être possible cette transition parce que. Là. Hop. On va passer un truc ici. Comme ça. Alors pourquoi il y a du gravier ici, je ne sais pas, mais. Attendez, mais il y a quoi ici? Il y a absolument rien. Pourquoi il y a du gravier? On va prendre le gravier. Et on va le remplacer par de la. Par de la stone et on a réussi à avoir un silex. Hop. Et. Hop. Et hop. Donc voilà, ça fait une petite transition assez sympathique. On n'a pas de. Je vais vérifier si on n'a pas d'escalier. On va voir où sont. Sont les gravitites enchantées, donc ça a pas terminé. Il y en a 8 encore à faire, donc on en aura 14. 14 qui n'est pas assez, il nous en faut 10 de plus pour faire un équipement entier. Oh, attendez, mais tu sais comment on va faire? On va utiliser ça et ça pour. Non, plutôt ça, parce que ça c'est fait plus grotte pour améliorer un petit peu la. On va en mettre un ici et on va en mettre un de l'autre côté. Hop là, je vais aller chercher la hache. Par contre, on peut toujours pas courir dans les escaliers, c'est interdit, mesdames et messieurs, c'est interdit de courir dans les escaliers. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Je n'ai pas de hache pour vous servir, et merde. C'est pas grave, ma hache s'est cassée pendant le tournage en off. Oui, le tournage en off, c'est tout, c'est complètement irréaliste. Oh mais attendez, je sais qu'est-ce qu'on va faire. On va faire une sorte de. Hop là. On va en fait faire une sorte de rond. Attendez. Une petite seconde. Ah mince, on peut pas. Si non parce que. Attendez. Je vais juste vérifier un truc si ça se voit trop. Ouais quand même, ça se voit un petit peu. Donc non, on va juste mettre un arc de cercle, tout simplement. Et ceci est mon expression préférée. Mesdames et messieurs, mon expression préférée est maintenant tout simplement, il y aura un t-shirt où il y aura Haru où il y aura écrit tout simplement. Hop, et hop, et le dernier qui est là. Oh, 27 minutes, mais le temps passe super vite. Donc on va vraiment devoir se laisser ici. Oui, bah on va devoir se laisser ici, c'est... J'ai dépassé mon quota. Allez, je me mets un F5 avec le beau marteau de Notch, l'âme de Notch qui nous rejoint maintenant partout où on va pour détruire ces zéphyrs qui nous volent que du mal créés par Dokusai. Je vous le rappelle et on se retrouvera pour un prochain épisode de Enjoy dans Laser. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Allez, ciao tout le monde!